Il y a bien longtemps, une graine éveilla la forêt. La forêt engendra un monstre. Un monstre au souffle pourpre et aux larmes vertes, qui tomba de la lune et sema la terreur parmi la population. Plus tard, une fois que les larmes du monstre eurent séché, les gens écoutèrent attentivement la voix de la forêt. Agito ? Alors, qu'est-ce que tu fais ? Grouille, ou je vais finir par y aller sans toi ! Thank you.
je t'ai bâti cette fois. Tu rigoles, je suis arrivé avant toi. Voilà, un peu d'eau pour mon père. Agito, qu'est-ce que tu feras quand ton père ne sera plus là? Je pense que je quitterai la ville. Je sais qu'au-delà du désert et de la forêt, on peut trouver d'autres villes enfouies. Sur ces ruines, je veux faire naître de nouvelles cités, comme mon père. Eh ben, j'en connais une qui va être drôlement malheureuse si tu t'en vas. Tu sais bien que Minka adore te rapporter des légumes du marché. Elle va avoir beaucoup de peine. On ferait mieux de partir. S'ils nous trouvent ici, les druides risquent de nous faire passer un sale quart d'heure. À sa place. Regardez, je vous la rends. Allez, on fonce. Mais c'est les druides. Ces saletés de morveux ont encore eu ça. C'est les druides. Des morveux ont encore essayé d'aller piquer de l'eau. Encore. Mais bon sang, qu'est-ce qu'ils cherchent à la fin? Qu'est-ce que c'est que ça? Cain, alors c'est encore vous deux. Qu'elle est vivante. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas.
C'est à cause des gamins que le niveau de l'eau baisse comme ça. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Il doit y avoir une autre raison. Où suis-je? Tiens, bois un peu d'eau. Oh. Vas-y, ça va te faire du bien. Merci. Comment tu t'es retrouvé dans ce truc? C'est les druides qui t'ont capturé? Ah, dépêche-toi! Il faut partir! Les druides ont lâché l'eau! Je te remercie. Je m'appelle Tula. Moi, c'est Agito. Viens, on devrait pouvoir trouver une sortie là-haut. Ça a l'air bon par là. Regarde, c'est la cité neutre, c'est là que nous vivons. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont de la peine d'être encore en vie. Ah, ça, tu l'as dit. Excuse. Hey, Agito, Cain, qu'est-ce que vous avez fait? Maman est inquiète, alors elle m'a demandé de venir voir ce qui s'était passé. Ben, qu'est-ce que tu crois? On s'est fait choper par les druides, c'est tout. Et pour la peine, on est de corvée d'exploration demain. Hé, hey, Tula! Elle veut te parler. Bien. Bonjour, madame. Alors, comme ça, tu viens du passé. Hein? Je m'appelle Yolda, je suis la représentante officielle de cette communauté. Agito prétend qu'il t'a trouvé allongé dans une machine étincelante dans un souterrain de l'ancienne cité. Une machine étincelante? Je suppose qu'il s'agit du Stayfield. Excusez-moi, madame, mais vous pouvez me dire pendant combien de temps j'ai dormi? Je ne le sais pas avec précision, mais peut-être bien des siècles. Il y a à peu près 5 ans, un garçon du passé comme toi s'est également réveillé. Mais il n'est plus avec nous à présent. Il a rejoint les rangs de la nation militaire de Ragna. Mais à vrai dire, tu as l'air assez différente de lui. Je suppose que tu dois être assez surprise de t'éveiller dans un monde pareil. Oui. Tu dois comprendre que maintenant, la forêt représente une menace pour la plupart des habitants de cette planète. Une menace? Mais pourquoi? À présent, c'est la forêt qui contrôle l'approvisionnement en eau. Et comme nous ne pouvons pas vivre sans eau, tu dois également savoir que la forêt n'est plus un endroit sûr pour les humains. Notre communauté a appris à vivre en harmonie avec elle. Et nous faisons tout notre possible pour ne pas l'offenser. Ce qui n'est pas le cas de la nation militaire de Ragna qui désire anéantir la forêt. Ici, dans la cité neutre, nous sommes parvenus à ne prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre et à rester en paix avec les deux belligérants. Oh ! Agito, Cain, vous nous espionnez ? Comment ça, toi aussi, Minka? Très bien, vous allez vous occuper de Tula. Cain, tu demanderas à tes parents s'ils peuvent l'héberger. Très bien, je t'autorise donc à faire partie de notre communauté. Sois la bienvenue dans notre petite cité. Je vous remercie beaucoup, madame. Ouais, ça c'est génial, parce qu'Agito, il a Minka, mais moi j'ai pas de copine, alors... Je m'appelle Minka, enchantée. Hey, papa, tu sais, aujourd'hui, il s'est passé des grandes choses. Est-ce que tu l'as localisé? Non, pas encore. Dépêche-toi et préviens-moi dès que ce sera fait.
Papa, tu ne dois pas t'exposer au soleil du matin. Hagito! Allez, c'est l'heure d'aller à la pêche. Tu es prêt? Oui. Bon bah, on y va. Mais elle est où, Tula? Elle est allée au marché avec Minka. Allez, grouille-toi! Cet endroit n'était plus qu'un champ de ruines, tu sais. Et puis, les cheveux d'argent, le père d'Agito, celui de Yolda, et le mien, ont construit la ville que tu vois aujourd'hui. Les cheveux d'argent? Nos pères sont des êtres améliorés. Ils sont vraiment très très forts. On y va? Ici, on troque toutes sortes de choses contre de l'eau. Du troc? Tiens, une nouvelle. Je l'avais jamais vue ici, ta copine. Bonjour, monsieur. C'est un soldat de l'armée de Ragna. Beaucoup de gens viennent de très loin pour troquer leurs marchandises sur ce marché. Moi, je les connais presque tous. Je traîne tout le temps par ici. Salut, bonne journée. Mon père me dit toujours de ne pas parler aux soldats de Ragna, mais je les trouve plutôt sympas. Je viens souvent ici pour leur donner un coup de main. Tu vois, les pauvres, ils sont tout le temps débordés. Pourquoi continuez-vous à vider le puits? La forêt agit selon sa propre volonté. Oui, je le sais bien, mais nous n'avons enfin aucune règle. Chaud, la forêt a chaud. Impossible, impossible de rendre l'eau. Comme tu le sais, ici, on manque souvent d'eau. Alors, tous ceux qui viennent dans la cité doivent en remonter un peu. C'est comme ça, c'est la règle. D'Agito, je... Non, rien. Oh. Quelqu'un projette de libérer une puissance endormie depuis des siècles. De qui parlez-vous? De Shunak? Vous savez très bien que nous n'avons plus aucun contrôle sur sa façon d'agir. De plus... Je vous rappelle que vous êtes en partie responsable de cette situation. Nous nous méfions de cette fille. Oui, nous nous en méfions. Vous parlez de Tula. Elle va apporter le malheur sur la forêt. Vous devez nous la livrer. Si vous refusez, la forêt vous privera d'eau. Fais pas cette tête, c'était juste pour rigoler. À cause de toi, je ne sais pas qui a essayé de me contacter. Hé, comment on fait pour l'allumer? Il y a un bouton quelque part ou quoi? Tu ne peux pas l'allumer.
En fait, les Rabban n'obéissent qu'à leurs propriétaires. Bah, c'est pas marrant, alors. Et tu sais quoi? Un jour, quand je serai grande, ben, j'épouserai Agito. Agito! Viens par ici! Ouais, ok, j'arrive! Fais gaffe, il y a du verre partout! Super, les gars. Beau travail. Il y a plein de trucs utiles dans l'eau. Préparez-vous à redescendre. Quoi? Oh non, s'il vous plaît, pas encore. Tula? Elle se dirige vers la forêt? Hein? Excuse-moi, j'aurais dû te prévenir au sujet de la forêt. C'est de ma faute. J'aurais mieux fait de ne jamais me réveiller. Tula. Tu peux me dire ce que je vais pouvoir faire ici? C'est mon père et quelques autres qui ont construit cette ville. Il y avait le père de Caïn et celui de Yolda. Mais c'est le mien qui a bâti la majeure partie de la ville. Il ne voulait jamais s'arrêter de travailler. Tu l'admires beaucoup, n'est-ce pas? Et je suis extrêmement fier de ce qu'il a fait. Avec le temps, je suis sûr que tu finiras par apprécier cette ville. Et je suis certain que tu aimeras tous ses habitants. J'espère que tu as raison. Mais bien sûr! Je t'aime bien, Agito. Hein? J'aime bien Minka et tous les autres. Et puis, l'air est agréable ici. J'ai bien aimé regarder Minka dormir cette nuit. Elle est tellement mignonne. Oui, dommage qu'elle soit bavarde comme une pie. Agito, tu sais, j'aimerais beaucoup rencontrer ton père.
J'ai hâte de rencontrer quelqu'un qui a presque entièrement construit une ville. Tu vas pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux. D'ailleurs, tout le monde le consulte. Le père de Minka, Yolda et tous les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens! Papa! Je t'amène quelqu'un! C'est tout là! Tu sais bien, je t'en ai parlé hier. Elle s'appelle Tula. Et elle a insisté pour te rencontrer. Agito? Tula, je te présente mon père. Alors, c'est toi, la fameuse Tula. Je suppose que mon apparence doit t'effrayer. J'en suis désolé. Je suis comme ça parce que j'ai abusé du pouvoir de la forêt. Alors dis-moi, comment trouves-tu notre monde? Il est différent de celui que tu as connu. Ça a dû te faire un choc de te réveiller dans un monde pareil. Il a été reconstruit par ceux qui ont survécu au désastre et par leurs descendants. Il peut paraître assez rude pour quelqu'un comme toi. Pour quelqu'un qui vient du passé. Pour Agito et moi, évidemment, c'est différent. Nous, nous n'avons connu que ce monde-là, alors nous avons appris à l'aimer. Et si c'est trop difficile pour toi, il vaut mieux te rendormir. Je veux rester, mais je voudrais que le monde redevienne comme avant. Je sens que la forêt a perdu de sa sérénité. Écoute-moi, pour vivre parmi nous, tu dois absolument essayer d'oublier ton passé. Tula. Excuse-moi, mais j'aimerais être seule un moment. Du passé qui s'est réveillé. Du passé, tu veux dire comme le colonel? Je crois qu'on peut prendre du galon si on retrouve quelqu'un comme ça. Peut-être, mais comment tu fais pour reconnaître quelqu'un d'avant le désastre? Vous seriez pas en train de parler de Tula, hein? J'arrive pas à le croire. Ton père lui a dit ça. Eh ben, ça a dû lui faire un choc. Ouais, du coup, je sais pas trop ce qu'elle va faire. T'inquiète pas pour ça. Ton père peut bien dire ce qu'il veut. Nous, on sera toujours avec elle. De toute façon, je vais te dire. Eh ben, un jour, Tula, elle deviendra ma femme. Non, non, tu racontes n'importe quoi. Quoi? Oh, on dirait des tanks de l'armée de Ragna. Tula! Hein? Oh! Non, Agito, n'y va pas! N'aie pas peur, Tula Kun Sakul. Je t'attendais. Tu as dû être très surprise de te réveiller dans un monde pareil. De voir que toutes les villes ont été détruites. De découvrir une forêt qui dévore les hommes. Sache que ton père, le professeur Sakul, n'aurait jamais permis l'existence d'un tel monde. Mon père? Vous avez connu mon père? Elle représente une...
une menace. À cause d'elle, la forêt va s'embraser. Il faut la tenir éloignée de cet homme. Il faut nous préparer. Le monstre de la forêt va nous attaquer. Deraban ? Mais alors, vous aussi, vous... C'est exact. Moi aussi, je viens du passé. Et je connaissais ton père. C'était un grand savant, tu sais. Je participais à ses recherches. Il travaillait sur un projet de régénération de la Terre. Hélas, après la mort de ton père, le projet a été abandonné. Évidemment, à l'époque, personne n'avait réalisé que ça nous mènerait là où nous en sommes. C'est pour ça que je viens te chercher aujourd'hui. J'ai besoin de ton Rabban pour accéder au système de défragmentation de ton père. C'est le programme qui permet d'activer la régénération de la planète. Le programme Istok. Istok ? Je suis le colonel Shunak. Acceptes-tu de nous aider ? Alors c'est toi, Shunak. Ta présence irrite la forêt. Comment allez-vous tous les deux? Ça faisait longtemps. Je suis venu chercher Tula. Il est absolument hors de question que tu l'emmènes avec toi. Tu n'as pas le droit de l'entraîner dans tes histoires délirantes. Tu es toujours en train d'essayer d'imposer ton point de vue aux autres. Je suis désolée, Yolda. Mais je crois que je vais aller avec lui. Hein? Le projet de mon père peut rendre à la Terre sa forme originelle. Je ne peux pas laisser passer cette chance, vous comprenez? Agito, merci pour tout. Tula, tu ne dois pas faire confiance à Shunak. Tula! Patience, Agito. Mais lâche-moi! Lâche-moi, je te dis! Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Laisse-moi! Tula! Tu le verras bien. Tu n'auras pas à attendre, c'est bientôt fini pour moi. Pourquoi elle fait ça? Je ne comprends pas. Alors, comme ça, elle est partie. Shunak est persuadé de la pertinence des sciences de l'ancien temps. Il en est tellement convaincu qu'il n'a dû avoir aucun mal à influencer Tula. Mais que va-t-il lui arriver ? Ton ami détient le pouvoir de faire renaître sa civilisation disparue. Le problème, c'est que ça va engendrer un conflit entre les hommes et la forêt. Et si la forêt venait à disparaître, la Terre dépérirait et la race humaine ne tarderait pas à s'éteindre. Mais alors, nous devons les arrêter. Écoute-moi, Agito. Je vais bientôt me fondre dans la forêt pour toujours. Je sais. À toi de voir dans quel genre de monde tu veux survivre. L'avenir de l'humanité est à présent entre tes mains. Oui. Voilà.
Comme ça, le vent, le soleil et la pluie pourront entrer. Au revoir, papa. Je vais dans la forêt. Désolé de te mêler à tout ça. Au début, Yolda était très gentille avec moi. Maintenant, elle et les gens de la cité neutre me rejettent. Oh, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Je ne sais pas. Je les ai aidés à construire la cité et à concrétiser certains de leurs rêves. J'ai partagé leur idéal. Pour pouvoir être encore plus utile, je suis devenu un être amélioré. Mais à cause de mes origines, j'ai eu du mal à m'adapter. Quand ils s'en sont aperçus, les gens de la cité neutre n'ont plus voulu de moi. Là-bas, j'ai vu un homme qui se transformait en arbre. Est-ce que tu risques de finir comme lui? Oui. Mais avant que cela n'arrive, je veux que ce monde redevienne comme avant. Bienvenue à Tria. Le sort de la nation de Ragna repose sur cette ville. L'air est irrespirable. Ce ne sont que des fumées industrielles. La survie de notre civilisation dépend du bon fonctionnement de ces usines. Regarde. Ce système nous permet d'extraire de petites quantités d'eau du désert. Grâce à cela, nous ne sommes pas dépendants du bon vouloir de la forêt, comme ceux de la cité neutre. Je me demande pourquoi ils obéissent à la forêt. Quand je les ai quittés, j'ai décidé de me battre et de retrouver Istok. Hélas, au cours d'une bataille, j'ai perdu mon Rabban et j'ai dû abandonner mes recherches. Istok doit régénérer le biotope de cette planète. Mon père a passé presque toute sa vie à le mettre au point. Je me demande pourquoi il ne l'a pas activé. Il est dans les montagnes proches de la cité neutre. Que les équipes de forage se tiennent prêtes à partir. Bien. Nous nous mettrons en route dès que possible.
Agito? Minka, tu dois manger si tu veux avoir assez de force pour... Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'Agito est parti dans la forêt. Il faut que je l'empêche de faire ça. Mais bon sang, Minka, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu avec ça? Minka, écoute-moi. Comme tu l'as deviné, Agito a dû partir pour la forêt. Mais c'est son choix et tu dois le respecter. Il était temps pour lui d'affronter son destin. La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est de prier pour lui. Le dîner est servi. Votre mère va finir par s'inquiéter. Dépêchez-vous. Je veux aller chercher Tula. Elle va mettre le feu à la forêt. Elle va tout réduire en cendres. Non, Tula ne ferait pas ça. Tu crois que tu peux l'arrêter? Tu crois que tu peux la sauver? Ton cœur est sincère. Nous te donnons le pouvoir de la forêt. Peux-tu sauver la forêt et tes amis et la fille et le futur? Il est temps. Allons-y. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Agito? Agito, c'est bien toi? Je suis venu te chercher. Tu as les cheveux argentés. Tu es devenu un être amélioré. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? J'ai juré à mon père que je ferais tout mon possible pour empêcher que la Terre ne redevienne comme avant. Agito. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens tout bizarre.
Agito! Les êtres améliorés ont parfois du mal à maîtriser leur pouvoir. Mes hommes vont veiller sur lui le temps de s'assurer qu'il n'est pas un danger pour lui-même ou pour les autres. Ah, oh, ça y est, tu reprends tes esprits. Tula. Tula. Retournons à la cité neutre. Je t'en prie, Tula, rentre avec moi avant qu'il ne soit trop tard. Ne l'écoute pas, il est encore sous l'effet du gaz. Rentre avec moi. Tout le monde t'attend là-bas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Écoute-moi, Agito. Pourquoi on m'a attaché ? Je t'en prie, écoute-moi. Avant de pouvoir retourner à la cité neutre, j'ai une mission importante à accomplir. Tula, réfléchis bien à ce que tu vas faire. La forêt est très en colère après toi. Est-ce que tu te rends compte que grâce à nous, le monde va retrouver son état naturel ? Mais qui t'a dit que c'était nécessaire ? Viens avec moi dans la forêt et tu comprendras. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Grâce à Istok, nous allons rendre à la Terre son état naturel. Et peut-être que nous pourrons faire la même chose avec ton corps. Mais moi, j'ai choisi de devenir un être amélioré. Tu dois avoir du mal à imaginer l'état naturel de cette planète. Le monde que j'ai connu quand j'étais enfant, à l'époque où la forêt était en paix avec les humains, et où l'eau existait en abondance. Tuez-le. À vos ordres. Un peu de patience, Agito. Toi, libère-moi! Soldats, l'arrière du train est attaqué, plusieurs wagons ont été détruits. Très bien, je vais venir constater les dégâts. Bien, colonel. Le vent rend le gaz inopérant. On arrête le train ? Non, on n'a pas le temps. On va transférer les hommes et le matériel dans les voitures de gauche et décrocher celles de droite. Tula ne doit pas savoir qu'il est là. Certains wagons ont subi des avaries. Nous allons devoir en décrocher quelques-uns. Laissez-moi faire. À vos ordres.
Tout danger est écarté. Tu devrais te reposer maintenant. Agito, alors tu as décidé de devenir un être amélioré. Tula! 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 Mais calme-toi! Tula! Allez, Agito, reprends-toi. Tu ne dois pas laisser ton instinct prendre le dessus. Sinon, tu risques d'accélérer ta transformation, comme ton père. Mon père? Allez, détends-toi. Tu dois te concentrer et essayer de repérer le bourgeon qui se trouve au fond de ton corps. Ce n'est que comme ça que tu arriveras à maîtriser ton instinct. Ton portrait craché. Il a hérité de toutes tes qualités. Hélas, il a aussi récupéré tes défauts. Hagashi. Tula! Tula. On a dévalisé les boutiques aujourd'hui. Oui. Où est-ce que tu veux manger? Hé, hey, tu m'écoutes? Voilà, c'est donc ici qu'est enterrée toute la sagesse des hommes du passé. Alors, Istok existe pour de vrai? Désolé, mais vous allez devoir rester ici. Comment ça? Ce qui va se passer maintenant n'est pas de votre ressort. Nous avons pour ordre de rester avec vous jusqu'à la fin de la mission. Istok appartient aux hommes du passé. Nous vous empêcherons d'entrer. Auriez-vous l'intention de trahir Ragna?
Et que pouvez-vous faire contre un être amélioré? Adieu, commandant. Colonel! Voilà donc son véritable visage. Vite, sonnez le rassemblement! Pourquoi les avez-vous empêchés de venir avec nous? Ils veulent utiliser Istok à des fins militaires. Je ne peux pas les laisser faire ça. Voilà. Maintenant, il me faut ton Rabban. Oui. Ça y est, le programme est réactivé. Je suis Toulon Kun Sakul, chef du projet écologique terrestre. C'est mon père. Grâce à ce Rabban, le programme peut entrer dans sa phase finale. Ce programme a été conçu dans un seul et unique but, la création d'une couverture végétale grâce à l'activation des gènes dominants. Vous le savez, l'expérimentation lunaire a échoué, car les plantes sont très vite devenues incontrôlables. Et contre toute attente, ont envahi la Terre. Tous ceux qui n'ont pas pu rejoindre le Stayfield n'ont certainement pas survécu. En tant que dernier survivant des responsables du projet, je laisse à la postérité le moyen de reprendre le contrôle d'Istok. Ce programme permet d'activer le défragmenteur environnemental Istok. Istok est capable de rétablir tout un écosystème. Il peut le faire à une échelle locale ou à plus grande échelle. Le problème, c'est que pour y arriver, il doit anéantir tout système existant. Je suis conscient que cette action engendre forcément de terribles sacrifices. C'est la raison pour laquelle je laisse aux survivants du Stayfield la décision ou non de recourir au programme Istok. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça tremble comme ça? Sakul était vraiment intelligent. Son système se sert de l'énergie du volcan pour faire fonctionner Istok. Cette montagne est une arme redoutable. Ragna ne pourra rien contre nous. Mais comment ça, une arme redoutable? Je dois t'avouer que c'est de ma faute si les plantes sont devenues incontrôlables sur la Lune. J'ai agi de manière un peu trop précipitée, j'ai commis une regrettable erreur. C'est cette erreur qui a entraîné la mutation des plantes et qui, en quelque sorte, leur a donné une conscience. Par la suite, les plantes sont descendues sur Terre où elles ont semé le chaos. Elles ont bouleversé l'écosystème de la planète et anéanti notre civilisation. Grâce à Istok, je vais pouvoir enfin réparer mon erreur. Nous atteindrons bientôt la forêt, et ensuite nous arriverons à la cité neutre. Ils ne se mettront plus jamais en travers de mon chemin. La cité neutre ? En
En effet, c'est là-bas que j'activerai Istok. Il n'en restera plus rien. Alors ça jamais. Commandant, il se dirige vers la cité neuve. Dépêchons-nous. Que tu cherches se trouve dans cette montagne. Shunak nous a trahis. Je pense qu'il veut utiliser Istok pour détruire la forêt et la cité neutre. Nous allons mobiliser nos troupes et essayer de l'en empêcher. Vous êtes sûr que Tula est là-dedans? Oui. Si tu veux nous aider, va la chercher et récupère son Raban. Pendant ce temps, nous l'attaquerons de front. Transmettez à l'état-major et faites renforcer nos défenses. À vos ordres. Alors? Alors c'est encore toi. Agito. Allez, Tula, on rentre. Quelques secondes. Bien, pointez nos canons sur la base de la montagne et attendez mon ordre. Feu!
Mais arrêtez! Laissez-le! Arrêtez! Je vous en prie, arrêtez! Je trouve que tu te débrouilles pas mal pour un gamin, mais tu manques un peu d'expérience. Fais tes prières, petit. Arrêtez! Laissez-le tranquille! Mais arrêtez, je vous en prie! Tu croyais vraiment que tu allais pouvoir me battre? Ne lui faites pas de mal! Laissez-le! Tula! Ça va? Agito! Agito! Dépêche-toi! Va arrêter cette montagne. D'accord, mais... Et toi, Agito? Très bien, je vais arrêter Istok et je reviens. Je te promets de revenir le plus vite possible. Attends, ne fais pas ça, non! Tiens le coup, Agito! Reviens! Non, ne fais pas ça, non! Ça ne devait pas se passer comme ça! Je te dis au revoir. Pour Agito et pour tous les autres. Identification terminée, Tula Kulsakul. Interruption d'urgence du programme Istok activé. De sécurité, vous êtes prié d'évacuer le site immédiatement. Programme Istok interrompu. Système d'autodestruction activé. Agito! Pour des raisons de sécurité, vous êtes prié d'évacuer le site immédiatement. Programme Istok interrompu. Système d'autodestruction activé. Pour des raisons de sécurité, vous êtes prié d'évacuer le site immédiatement. Souterrain.
Agito! Agito! Je suis revenue! Tu m'entends, n'est-ce pas? Oh non! Non, c'est impossible! Agito! J'ai réussi à arrêter Istok! Allez! On peut rentrer maintenant! Je t'en prie! Dis-moi que tu m'entends! Tu sais, Agito, je suis sûre maintenant que je finirai par aimer la cité neutre. Parce que c'est la ville que ton père a construite. Et parce que c'est là que tu vis. Réponds-moi, Agito. Espèce d'idiot, c'est toi qui es venu me chercher, tu t'en souviens pas? Je t'en prie, me laisse pas ici toute seule! Agito! Agito. Papa. Et tu sais quoi? Eh ben, quand je serai grand, j'espère que je serai aussi fort que toi, papa. Tu es déjà grand et fort, mon fils. Hein? Et je suis extrêmement fier de toi. Calme-toi, je n'ai plus envie de me battre. Maintenant que je fais partie de la forêt, je comprends qu'il s'agit juste d'une autre forme de vie. Agito! Agito! La forêt prend les humains, mais elle leur donne aussi la vie. Va, mon fils. Va rétablir la paix entre les humains et la forêt. Va rejoindre Tula. Elle t'attend. Je suis si heureuse que tu sois revenue. Tula. Ça y est, j'ai enfin compris. Mon père et la forêt m'ont expliqué que nous étions tous liés. Et que le destin du monde dépendait de nous tous. En tout cas, maintenant, les humains et la forêt vont pouvoir vivre en paix. Nous pouvons rentrer chez nous à présent. Prête-moi ta force, papa. Oh,
Viens, Tula, allons construire notre avenir. Agito. Agito. Agito.
悲しくて、もどかしくて。